les gars, on traverse quand même pour pas se faire écraser. Attention les gars, les feux, tu vois, ils sont beaucoup plus loin que le stop. Donc si toi tu viens un jour et que tu te dis c'est bon, je fais comme en France, je m'arrête au feu là-bas là. Non, 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 toi tu dois t'arrêter là. Tu vois. Attention de ne pas confondre les gars. Donc là les gars, on est à Miami. Eh oui, je suis revenu. Parce que le froid de Montréal là. Non. C'était pas possible. Voilà un petit peu, tu vois, j'aime bien toujours montrer un petit peu comment c'est l'architecture, un petit peu la différence. Voilà comment sont les maisons un peu ici. On a Miami Lake. Donc voilà, c'est sympa, ça va. Ça va être un bon quartier quand même. Donc du coup, je te fais cette vidéo parce qu'en fait, j'ai discuté avec quelqu'un qui avait des objectifs. Et en gros, cette personne, elle voulait. Cette personne veut aller au Canada par le biais du PVT, tu vois. Mais du coup, le PVT, au total, je crois qu'il faut 2 500 € sur ton compte. Et il faut payer aussi le PVT, donc je sais plus, mais au total, en gros, il faut 3 500, tu vois. Il faut 3 500. Donc du coup, on voyait un petit peu ben, comment faire pour que... comment faire pour... générer ce cash là, ou en tout cas le mettre de côté, tu vois. Donc voilà, on regardait ça exactement, voilà combien fallait mettre d'à côté par mois, etc. Et au début elle était super chaude, tu vois, au début elle était super chaude cette personne, tu vois. Et quand elle a vu que genre il y avait grave des économies à faire quand même, parce que quand tu mets pas les chiffres sur papier, tu vois pas. Toi, tu dis, ouais, je vais mettre tant de côté, je vais mettre 500, 600, et puis dans 3 mois, c'est bon, quoi. Tu vois, mais non. En fait, quand tu regardes bien, tu regardes un petit peu tes dépenses, etc., tu t'aperçois bah, en fait, que c'est super chaud, et qu'en gros, tu vas devoir réduire ton train de vie de ouf, en fait. Et donc, quand on a fait bien le calcul, bah, elle s'est aperçue que c'était compliqué. C'était compliqué de pouvoir mettre de côté en vivant la vie qu'elle avait toujours là, tu vois. C'était pas possible en fait, tout simplement, tu vois. Et après d'où le sujet de la vidéo. Donc après moi je lui dis bah écoute, de toute façon c'est comme ça, tu vois. Si jamais c'est où tu choisis de vivre comme tout le monde, et du coup tu auras les résultats de tout le monde, ou bah où tu choisis de mettre en priorité tes objectifs, et tu sais pourquoi tu les fais, et donc du coup bah tu vas réduire tes dépenses. Après cette personne elle m'a dit non, franchement non, je peux pas ne pas dépenser. Je suis déjà en train de penser, là ma paye elle est pas encore arrivée, je suis déjà en train de penser ce que je vais acheter avec cet argent là. Je dis ouais ben voilà. Là c'est vraiment la mentalité de pauvre, tu vois. Et c'est normal que du coup ben, tu restes pauvre, tu vois. Donc du coup elle m'a dit ah, mais attends, mais toi tu fais comment toi? Toi tu fais ça toi aussi? Genre, je dis bah oui je fais ça. Attends, tu crois quoi? Tu crois que les objectifs ils s'atteignent comme ça tout seul? Et donc la deuxième question c'était ouais mais attends, mais comment tu fais? Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Bah, je me suis dit peut-être ça va vous intéresser aussi de savoir un petit peu bah, comment moi je fais pour même si mes revenus augmentent, pour ne pas augmenter mon train de vie, tu vois. Parce que c'est à cette période là où tout le monde se casse la figure, la plupart. La plupart des entrepreneurs, voilà, tu as tellement galéré pour pouvoir commencer à générer tes premiers euros, et quand ton chiffre d'affaires commence à augmenter, bah, tu as envie de te faire plaisir, tu vois. Donc je dis pas qu'il faut pas se faire plaisir. Je dis simplement qu'il faut avoir un pourcentage pour avoir du fun. Tu vois, 10% de tes revenus pour faire du fun. C'est cool, tu vois. Mais de toujours garder en priorité le process qui est... Voilà, moi je sais que j'ai des objectifs élevés. Tu vois, moi je veux au moins 20 000 euros de cash en revenu passif. Pour pouvoir avoir 20 000 euros de cash en revenu passif. Tu vois, en plus je fais même mes devoirs parce que je ne sais même plus combien c'est, combien je dois investir. Pour pouvoir les avoir. Je crois que c'est un truc comme 3-4 millions. Bon, je vais te dire là, ça se trouve, je te dis des bêtises, mais je l'avais noté. Mais ce que je sais, ça dépasse les millions, tu vois. Bon, après, ça dépend de la rentabilité, mais en prenant une rentabilité pas trop élevée, peut-être à 7% net, voilà, fallait que j'ai au moins 3-4 millions, un truc comme ça. Tant que j'ai pas ces 3-4 millions, tant que ces 3-4 millions ne sont pas investis, je ne vais pas dépenser de l'argent. Parce que sinon, c'est comme si je suis en train de moto auto-niquer, quoi. Tu vois, à chaque fois que je vais dépenser, je me souviens que je suis en train de m'auto-niquer en fait.
Donc je peux pas faire ça. De acheter des trucs, l'argent il part comme ça et ça revient jamais. Mais non, ça, c'est pas possible. Donc voilà comment je fais. C'est que je pense toujours à mon objectif, à ce que je veux. Alors c'est relou. C'est relou sur le coup, je vais pas te mentir. T'as envie de te faire plaisir. T'as l'impression des fois de vivre comme un cassos alors que tu pourrais vivre mieux. Tu vois. Bon, après, je pense qu'on exagère. Il faut aussi être dans la gratitude et apprécier ce que l'on a. Tu vois, mais là par exemple, je suis à Miami. Bah, je suis pas dans un hôtel de ouf, tu vois. Je suis dans un petit appartement que j'ai loué. Voilà. Tu vois, mais des fois, tu te dis c'est relou, tu vois. Mais voilà, après, faire de la gratitude. Déjà, je voyage, je fais ce que je veux, etc. Et donc, je vais pas me plaindre non plus, tu vois. Mais pour te dire que c'est vrai que c'est pas facile et que je comprends tout à fait. Mais maintenant, faut, voilà, c'est où tu mets tes priorités. Faut savoir où tu mets tes priorités. C'est tout. Moi, j'ai des objectifs précis, clairs. Et pour les atteindre, ben, il faut un comportement précis, clair aussi. Tu vois, je ne peux pas me permettre. Donc voilà comment je fais. Donc je résume comment je fais. En gros, je pense toujours long terme. Je reste focus sur mon objectif. À chaque fois que je sors mon argent, je pense toujours, est-ce que cet argent-là, il va me rapporter d'argent ou est-ce qu'il va m'éloigner de mes objectifs? Tu vois. Et donc après, je m'adapte. Mais je peux pas. J'ai trop intégré le fait que l'argent d'abord, il faut d'abord l'investir, acheter des actifs. Et après, une fois que les actifs vont te rapporter de l'argent, là tu peux dépenser ton argent. En plus, je peux pas raconter ça dans les vidéos. De toute façon, ce que je raconte dans les vidéos, c'est ce que je mets en pratique. Hein. Moi, c'est conscientisé, je peux pas faire autrement. Donc maintenant, c'est un choix. Moi, je comprends tout à fait, je juge pas les gens qui dépensent. Je comprends tout à fait, c'est super relou. Maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, ben voilà, il n'y aura pas les mêmes résultats, tu vois. Sous le coup, on a l'impression que leur vie, elle déchire, elle est beaucoup mieux, tu vois. Mais sur 5 ans, 10 ans, si jamais tu fais les choses correctement, tu investis, tu toucheras tes euros, ben après, tu es tranquille. Tu es libre, géographiquement. Voilà, je suis à Miami. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus, mon gars? Mais voilà, après, tu as quelques années où tu vas, entre guillemets, te sacrifier, entre guillemets. Ils ne sont pas appelés ça un sacrifice. Hein. Ma vie, c'est pas un sacrifice, là. T'as l'impression que c'est un sacrifice? Ouais, non. Voilà. Mais c'est vrai que ça m'a demandé du travail pour arriver jusque-là. C'est vrai. De toute façon, ça, faut le dire. C'est vrai que les gens ils disent souvent ça. Ouais, vous... les gens, ils disent pas assez qu'il faut travailler. Bah alors, je le dis, là. Bien sûr qu'il faut bosser, gars. Et que les choses ne sont pas faciles. Il n'y a rien qui est facile. Avoir un corps que tu veux, c'est pas facile. Il n'y a rien qui est facile, en fait. Avoir un business qui fonctionne, c'est pas facile. Rien n'est facile. C'est facile pour personne. Tous les gens que tu vois qui ont réussi, c'est pas un événement d'un coup, c'est qu'ils ont travaillé dur pour pouvoir arriver là où ils en sont. Donc voilà, nous ne cherchons pas d'excuses. Maintenant, de dire que c'est possible, oui, c'est possible. C'est tout, c'est juste une question de volonté, de persévérance, se former pour avoir les bonnes informations, pour aller plus vite. Et d'où maintenant la logique de se former. Parce que quand tu as compris ça, tu n'as plus envie de perdre du temps. Parce que déjà, ça prend quand même du temps pour pouvoir générer du cash et pouvoir être indépendant financièrement. Alors si en plus tu perds du temps à prendre des infos à droite à gauche qui sont gratuites sur internet, au lieu d'avoir une formation qui dit exactement comment aller directement, le plus rapidement possible, avoir les raccourcis et aller directement dans le vif du sujet, tu vois, et commencer à avoir tes premiers résultats, mec, tu perds du temps, t'es malade. Moi j'ai plus le temps de perdre du temps, donc je me forme tout le temps. Dès que j'ai un obstacle, ok, qui est-ce qui peut m'aider? Est-ce qu'il y a une formation en ligne qui peut m'aider à traverser cet obstacle-là? Ou sinon, est-ce que je peux m'entourer de quelqu'un qui a les compétences qui pourra m'aider à passer cet obstacle-là. Mais je ne suis pas là en train d'essayer de chercher, machin, j'ai pas le temps. Et toi aussi, tu dois penser comme ça. Le temps, c'est la valeur la plus précieuse que tu as. Toutes les secondes qui passent là, on ne peut plus les récupérer, c'est fini. L'argent, tu vas réussir à le récupérer, ça vient, ça part, tu vas réussir. On regarde le nombre de fois où tu as perdu de l'argent, où tu as dépensé de l'argent pendant toute ta vie, tu as dépensé de l'argent, acheté des bêtises, des baskets, des télés, tout ça. Mais tu es encore vivant, tu as encore de l'argent, tu arrives à vivre. Mais le temps, mec, tu peux pas le récupérer. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, si jamais tu veux créer ton business en ligne, tu es libre de cliquer sur le lien qui est dans la bio, si jamais tu es sur Instagram. Sur YouTube, tu cliques dans la description. Voilà, tu n'as pas besoin d'avoir des business ni de compétences sur Internet. Elle est offerte, les gars. Au moins, tu commences à passer à l'action sérieusement. Donc, c'est où tu passes à l'action ou tu dors, hein, les gars. Il y a eux, il y a nous. Hein. Choisis ton camp, mon gars. Tu peux pas être là. Non, ceux qui regardent mes vidéos, c'est des gens déterminés. Passe à l'action, on n'est pas là pour rigoler, les gars. La vie, il n'y en a qu'une. Hein.
Par contre, si jamais tu es déjà coach, consultant, tu as une expertise dans la santé, dans l'immobilier, le trading, tout ce qui est autour de l'argent, tu sais comment. Tu as tout ce qui est autour du make money, tu vois. Tu sais comment créer une chaîne YouTube qui fonctionne, tu sais comment ramener du trafic, enfin, tout ce qui est autour du business. Et je te dis santé, je sais plus, expertise en santé aussi, ou tu es coach, consultant, tu as une masterclass qui est spécialement fait pour toi, où je te montre exactement comment générer 10 000 euros par mois. Donc, rapidement. Ok, donc si tu l'as pas encore vu, vas-y. Je sais pas pourquoi tu dors. Donc, clique ou dans le lien dans la bio, pareil, tu verras la masterclass, tu peux y accéder. Ou si tu es sur YouTube, bah, tu cliques sur le lien qui est dans la description. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On est à Miami. Il y a des palmiers partout, mon gars. Il n'y a pas seulement à Miami Beach. Donc là, je suis en train de chercher une salle de sport. Je pense que je dois pas être loin là. Il y a un barbershop là-bas. Donc les gars, on lâche rien, les gars. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, mon gars. Choisis ton camp. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, les gars. C'est possible, mais il faut te bouger, c'est tout.